Je le répète, Tamazight n'est pas une langue. J'ai assisté personnellement à une discussion entre un Norvégien et un Danois. Ils se comprenaient parfaitement dans leur langue respective. C'est presque la même. Et pourtant, ils ne disent pas. C'est le germanique. Quand vous prenez les langues latines, c'est la même chose. Entre l'espagnol et l'italien, il y a 50% d'intercompréhension. Et pourtant, ils ne disent pas. Et pourtant, ils connaissent, eux, leur langue d'origine. Le latin, il est là. Il a survécu à tout. Et pourquoi il ne tue pas l'espagnol, le français, le portugais, pour faire une seule langue? La langue d'origine de leurs parents. Donc, comment se fait-il que les autres nations glorifient chacune sa langue et nous, on doit les maudire, les tuer pour faire une langue commune? On va faire un espéranto. Regardez l'espéranto, il a été fait pour, dans les années 60, dans l'euphorie, pour unifier toutes les langues du monde. Combien de gens parlent aujourd'hui l'espéranto? Il ne dépasse pas 5000 personnes. Donc, chacun enseigne sa langue. Nous connaissons ce que l'on dit. Donc, Tamazight est un moyen de mystification de l'identité kabyle. Si c'est Tamazight qui est la langue, donc le kabyle est un patois. Si c'est un patois, donc nous ne sommes pas un peuple. Sauf, seul un peuple a une langue. Hein? Ceux qui ont un patois ne sont pas un peuple. J'ai été scandalisé quand des scientifiques kabyles parlaient de variante berbère. C'est quoi variante berbère? On a peur de dire que c'est une langue. C'est du mépris et vraiment du colonialisme même que de dire que Tamazight c'est une langue. Non. Le Maroc a essayé, avec l'IRCAM, d'unifier les langues berbères. De les standardiser. On parle même de standardisation en Algérie, hein, même à l'échelle de tous les Amazighs. Standardisation de Amazighs. Comment on va standardiser? Chacun a une langue à part. À travers la constitutionnalisation, on a dit, on va mettre sur pied une académie qui va standardiser, quand tout est prêt, on va la rendre officielle. On se moque de qui? On va tuer toutes ces langues pour en faire une qui sera la langue de qui? Non. C'est vraiment noyer le poisson. Et puis, il y a ce complexe. Quand on dit qu'on est Amazigh, ça veut dire que nous avons une nation supra-territoriale qui est de l'oasis de Siwa jusqu'aux îles Canaries, de la Méditerranée jusqu'aux confins du Burkina Faso. Ça nous donne un sentiment de puissance, comme quoi nous sommes très nombreux. Mais nous sommes nombreux à quoi? Nous sommes tous conscients que l'arabe n'est pas notre langue et que nous avons le droit de la contester. C'est notre droit absolu de refuser la langue arabe pour nos enfants et pour nous-mêmes. Donc nous n'avons pas besoin de nous cacher derrière l'arbre amazigh pour affirmer l'être kabyle. Tamazight est un moyen de mystification de nos jours. Elle a servi de bouclier contre l'arabisation à une époque donnée. Cette époque est révolue maintenant. Tamazight, je le répète, Tamazight n'est pas une langue. C'est du mépris et vraiment du colonialisme même que de dire que Tamazight est une langue. Non. Standardisation de Tamazight. Comment on va standardiser? Chacun a une langue à part. On va la rendre officielle. On se moque de qui ?
on va tuer toutes ces langues pour en faire une qui sera la langue de qui? Il y a ce complexe. Quand on dit qu'on est amazir, ça veut dire que nous avons une nation supra-territoriale qui est de l'Oasis de Siwa jusqu'aux îles Canaries, de la Méditerranée jusqu'aux confins du Burkina Faso. Ça nous donne un sentiment de puissance, comme quoi nous sommes très nombreux. Mais nous sommes nombreux à quoi ?